Allez, c'est parti, on enchaîne. Direction le casino Ruskov pour attaquer la machine à sous Gold Rush. Alors, le bilan, le casino espagnol, on a fait un petit bénéf, donc on a 1553 de bénéf et 75 centimes. Mais bon, chez les English, on a la ramasse complète. En négatif, moins 5236. Alors, casino Ruskov, je suis à moins 570 par rapport à la balance de départ de 4000 balles. On va voir si on peut remonter tout ça. Allez, des mises à 25, go. Bon, je vais faire pareil, je vais commencer avec des mises à 25, éventuellement augmenter les mises à 31 un petit peu plus tard. Un petit free spin d'entrée, ce serait pas de refus. Oh, free spin d'entrée. Bah, dis donc, Vladimir, là aujourd'hui, il s'est lâché. Alors là, je comprends rien à ce qui est écrit. Hop. Ah, big win, big win, big win. Alors, 4 têtes de cowboy ici, un joker par là. Et ben, 380. C'est que des mises à 25 balles. Alors, au moins, on repasse au-dessus de la barre des 4000. Alors, hop, l'âne qui transporte l'or. Si on peut monter assez au niveau win, là on a 840. Alors, 3 spins de restant. Hop, 20 balles ici, pas énorme. Alors, on dépasse les 8000 balles de win. Alors 1240 de win, 4635, bon, on est déjà remonté en dessus de la barre des 4000. Donc du coup retour en positif chez les Ruskov, il n'y a que chez les English où on a la ramasse complète. Allez, go tentative de gagner un deuxième round de partie free spin. D'ailleurs ça va peut-être même cramer le bénef. Oh, number 3, number 3. Ça fait deux rounds de free spin quasiment d'affilée. Ben non, le Papa Noël, il était pas passé par là. Le bénéf est en train de se faire rogner bien comme il faut. On a 332 bénéf sur ce casino. Bon, 332 bénéf qui, j'imagine, vont vite, très vite être bouffés. Alors, The Benefice est barré, 3930.
Tentative, hop, mise à 31-25. Ouais, si je veux envoyer des mises un petit peu plus grosses, il va falloir quand même que la balance booste un petit peu. Alors, number 3, ça serait pas mal. Bon, il n'est pas encore là. Alors, tout à l'heure j'avais 500 balles de bénéf, maintenant je suis à 500 balles de perte sur ce casino Ruskov. Alors, rien du tout, le Banak, il se fait défoncer par les Ktagba là, qui payent que dalle. Avec un joli nombre de parties perdantes. Le chiffre 3 qui va se transformer en chiffre 2. Alors, 162,50. C'est dommage, t'es monté à plus de 4005, donc voilà le résultat. Pour contre, en continuant la partie, quand le jeu paye que dalle. Alors c'est clair que des fois j'ai fait des petites compilations de best of win de machine à sous, mais je pourrais faire les best of lose également. Les best of des super pertes. Hop là, allez, on va réduire les mises. Mise à 25 balles. Alors, le numéro 3, est-ce qu'il va se montrer ou est-ce qu'il va nous faire un leurre? Je crois que je connais la réponse, voilà, double leurre. Ok, bon bah si ça perd, je pense que je vais me fixer une limite vers les 2000 balles quand même. Alors si les 3 scatters doivent sortir, ça serait bien, c'est peut-être le moment. Eh bah ouais, encore un joli petit leurre.
Le joueur qui regarde les yeux grands ouverts pour voir si le troisième scatter va apparaître, et ben non, il se prend des leurres dans les dents. Alors, ah ben non, pas de leurre, le troisième scatter, ok. Bon ben après ça, ça arrête partie direct. Alors espérons qu'on puisse redépasser la barre des 4000, mais je me fais pas d'illusions. Ah, 5 of a kind quand même. Bon, avec des mises à 25, ça va pas être gagné. On a déjà redépassé la barre des 3000. Free spin de restant, 562 wins. Bon, on peut pas dire qu'on soit au top niveau chance. Allez, un de restant, le last one, number one. Number one, cacahuète. Cacahuète à 50 balles. Alors, du coup, on remonte à 3195. D'accord, d'accord. Je pense quand même que là, alors je vais peut-être finir dans le rouge sur tous les casinos. Enfin, bénéf pour le casino espagnol. Au russe, on était en bénéf, mais le bénéf, il se rebarrait. Donc, fin de partie, 3195. Alors, prochaine machine à sous sera Clover Ridge. Donc, espérons que le Clover puisse remonter la chose. Enfin, en espérant qu'ils sont, quand je m'enfonce pas un petit peu plus sur le casino English. Mais bon, ça sera pareil, sera au bonheur la chance. Pas évident du tout. Bon ben sur ce, fin de partie, rendez-vous très prochainement pour poursuivre ce challenge sur ces trois casinos, le English, l'espagnol et le russe. On verra donc comment ça se goupillera, c'est un petit peu mal barré pour un, enfin c'est un mauvais départ, mais bon. Espérons pouvoir assister à un retournement de situation. Allez, bisous à tous, à très bientôt.